Shalom uvracha, mes chers amis. Maintenant, un message de Rabbi Nachman, de la pépite de Rabbi Nachman pour nos chayalim. Comment faire pour être sûr d'aller au combat et de battre? Il est marqué dans Resh Mem Tet 248, le chapitre 248 de Rabbi Nachman du côté Moharan. Aikar agevura, l'essence de la force qu'un homme il a, balev, c'est dans le cœur. Qui Michelibo Chazak, celui qui a un cœur qui est fort, Veeno Mitiare Mishum Adam ou Mishum Davar, et qui n'a pas peur ni d'un homme ni de rien du tout, Yachol Asot Gvurot Noraot ou Milhamot, il a la possibilité de faire d'avoir du courage extraordinaire et de gagner des guerres juste par la force de son cœur. Chez Nomitiare, parce qu'il court d'une façon puissante dans la guerre. Veze Bechinat et Zeou Gibor à Kovesh et Titzro. C'est où le Gibor? Celui à Kovesh et Titzro. Donc ça veut dire que le quelqu'un fort, ce n'est pas quelqu'un qui a une arme forte. D'ailleurs, j'ai entendu un khayal hier encore. Il disait comme ça, il disait pourquoi est-ce que on a entendu à la radio comme quoi le matzav il est dur dans les. Alors que ce n'est pas vrai, on est en train de combattre au maximum, on est en train d'arriver, de nettoyer tous les gens mauvais qui sont à l'intérieur des frontières et de la ville. Alors il a dit comme ça, il a dit, quelqu'un qui parle avec un cœur comme ça, avec un cœur qui a plein d'enthousiasme, ça veut dire qu'il est puissant. Veze Bechinat Gvurat Shimshon. Vous savez, Shimshon, il tuait des mille et des cent mille personnes avec juste ses mains. Il prenait juste une carcasse. Il avait pris une fois une carcasse de lion, une carcasse de taureau, de d'âne, et il a tué comme ça des centaines de personnes. C'est sa force, Neymar Bo, va tachel ruach Hashem le fa'amo b'machane dan ben tzora ou ben eshtaol. Et il a eu un souffle divin qui est venu le fa'amo. Ça veut dire quoi le fa'amo? Qui a résonné. Comme on dit, un paramone. Il a résonné à l'intérieur de son cœur. Pour vous dire qu'il y a une force extraordinaire dans le rouach, dans le courage qu'un homme il a quand il va en guerre. Ben Sora ou Ben Eshtaol, chez Beotan, Amekomot, Tzalcha, Alav, Ruach Hashem, Velavash, Gvura, et nous chez Balochosek, Vetokev, Begvura, Talev. C'est des endroits où il a eu un encouragement de son cœur qui s'est dévoilé sur lui. Veze, Asa, Gvurot, Noraot, et c'est pour ça qu'il a fait des grandes forces. Donc, mes chers amis, il est très, très important de, surtout, comme il disait d'ailleurs le rabbi de Lubavitch, il disait quelque chose de très intéressant. Il disait que lorsque on va en guerre, et les gens qui sont sur le front, parce que nous aussi on est sur le front, eh bien on doit avoir un moral extraordinaire. Et c'est un moment où on doit avoir beaucoup de simcha. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que la simcha, elle est pour être cette guéder. C'est-à-dire quoi pour être cette guéder? C'est-à-dire qu'elle explose de tous les côtés. Comme elle explose de les côtés, eh bien elle peut exploser aussi l'ennemi. La joie, elle est quelque chose de très fort. Donc c'est joie. Qui est quelque chose de très fort, et bien ça peut aider, mes chers amis, ça peut aider, mes chers amis, justement à nous renforcer dans la Torah, nous renforcer dans la réussite de la guerre. Baruch Adonai l'Olam.